à bord d'une mystérieuse station spatiale en orbite autour de la Terre. Cortex, rappelle-moi pourquoi je te garde, tu m'as trop souvent déçu. Pardonne-moi, Uka Uka, j'ai perdu tout ce temps à essayer de me débarrasser de ce bandicoot sans cervelle. Mais s'il n'est rien, c'est le monde que nous allons conquérir. J'ai déjà entendu ça, monsieur le scientifique du dimanche. Pourquoi réussirais-tu cette fois? Fais-moi confiance, Uka, j'ai un plan pour remettre ces minables terriens à leur place. Et ben ça, c'est ce que nous allons voir. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Let's Play. Et aujourd'hui on se retrouve pour Crash Bandicoot XS sur Game Boy Advance. Alors oui, la fameuse version Game Boy Advance, sachant qu'il y en a eu deux, de Crash Bandicoot, et on va partir donc pour Crash Bandicoot XS. Un petit jeu franchement qui est bien sympa, que j'aime beaucoup. Et on est parti donc pour le mode histoire. Mon réducteur de planète est enfin terminé. Les terriens devront s'incliner devant mon intelligence supérieure. Après toutes ces années, la roue a enfin tourné. On fait moins le malin maintenant, hein? Moi, Néocortex, je suis le roi du monde. Inclinez-vous devant moi. J'ai enfin gagné. Rien ne peut plus m'arrêter, même pas ce petit bandicoot. Crash, Coco, le monde a besoin de vous. Cortex a réduit la planète à la taille d'une orange. Nous devons agir. On dirait que Cortex utilise les cristaux pour alimenter son réducteur. Crash, si tu me ramènes les cristaux adéquats, je pense pouvoir mettre au point un appareil capable d'inverser les effets de la machine de Cortex. Bonne chance, Crash. Il faut que tu trouves les cristaux pour mettre fin au plan diabolique de Cortex. Voilà, donc vous l'avez vu, donc après que Cortex ait réussi à réduire la Terre à la taille d'une orange, il est maintenant, on va dire, le maître du monde, mais on va essayer de lui en empêcher grâce à la machine de Coco, mais pour cela, il nous faut les cristaux. Allez, on perd pas de temps, on y va pour le premier niveau, jungle en folie. Alors pour les niveaux, bah ça ne change pas, hein. Si vous connaissez les principes de Crash, bah il y a des gemmes à récupérer ici et là, enfin des cristaux en tout cas, il y a aussi des gemmes à récupérer si on arrive à détruire toutes les caisses. Mais bon, ça, je vous incite à aller revoir mes précédents Let's Play sur Crash Bandicoot pour tout savoir sur ce jeu, hein, tout simplement. Je ne vais pas tout répéter à chaque fois. Allez, on est parti. Non, faut que tu me pètes les caisses quand même, mon cher Crash. Ça m'arrangerait. En même temps, ici, c'est le premier niveau, donc normalement, ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Les petites plateformes ici indiquent des bonus. Bonus à faire également, hein, puisque les caisses qui sont dans les bonus comptent dans le décompte. Récupère les vies quand même, ce serait bien, ça m'arrangerait. Ok, parfait. Attention aux ennemis qui se trouvent ici et là. Monte. Bon, une petite masse qui me permettra de me protéger en cas de besoin. Le cristal, on l'oublie pas, surtout. Ouais, la vie, je peux la récupérer, hein, voilà. Parce qu'en dessous, il y a une caisse, c'est fait pour. Vous avez ici les caisses roulettes. Et là, comme j'ai chopé toutes les caisses du niveau, je récupère le diamant adéquat. Parfait. Voilà, ici, on peut voir que j'ai tout. Alors, on a aussi les reliques, hein, ça ne change pas non plus. Il me semble que les reliques ne sont pas dans le 100% du jeu, donc je ne sais même pas si je les ferai, hein, pour tout vous dire. Allez, c'est parti pour le niveau 2, crash écoulé. D'ailleurs, vous l'avez vu, ce jeu ressemble quand même beaucoup à Crash Bandicoot 3. Hein. Même dans son intro, vous l'avez vu, l'intro, c'était même l'intro de Crash Bandicoot 3. Hein, donc ils n'ont pas changé grand-chose. Hein. Et d'ailleurs, dans les niveaux,
se rendre compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec Crash 3, hein, vraiment. Attention les graines. Pas qu'elle nous bouffe cela. J'ai vu que le poisson allait m'avoir, mais non, tout va bien. Ok, 12e vie récupérée, c'est pas mal. Elle a réussi à me bouffer l'autre, saloperie. Ok, on n'oublie pas le cristal surtout, hein, très important. La mine m'arrange pas, bah oui. J'en étais sûr que j'allais me faire avoir là. Je laisse... Oh mais c'est pas vrai, j'ai refait la même connerie. Tout ça pour aller plus vite, hein. Voilà. C'est mieux comme ça. Dépêche-toi. Récupère-moi la gemme et on sort d'ici. Parfait. Allez, niveau 3, le temple maudit où il y a deux gemmes à récupérer cette fois-ci. Ah voilà, j'ai cherché ma touche parce qu'on peut faire aussi des glissades. Hein. Si j'oublie mes touches, ça le fait pas non plus. Voilà, donc là, attention les TNT, hein, ça pète. Pour le niveau bonus. Surtout pas aller trop vite non plus, hein, pour pas péter ce qu'il faut pas péter. Ce sera un petit peu le comble. Ok, parfait pour le bonus. Il m'a eu cette saloperie, il m'a eu. Hein, tu croyais m'avoir comme ça, hein? Non, mais... non, le checkpoint, je verrai ça plus tard. Bon, ça, on va avancer tranquillement. Ah oui, mais là, non. Je vais te bloquer. Qu'il me faut ici la gemme rouge. Bah oui, je suis débile. Et pour l'instant, la gemme rouge, je ne l'ai pas. Un petit peu couillon, top top, quand même, sur ce coup-là. Oh
façon, il y a des niveaux qu'on sera obligé de refaire, hein, ça c'est certain. Ok, c'est bon, j'ai récupéré mon cristal, ça c'est parfait. Et je viens de faire une énorme bêtise. Parce que là maintenant, à moins que je puisse avoir la caisse peut-être comme ça, on va regarder. Eh non, je vais pas pouvoir. Ah, flûte. Alors par contre, ça c'est couillon puisque vous voyez, les cristaux sont pas sauvegardés. Hein. Ça c'est un peu débile. Allez, reviens là, petit lézard. Hop. Voilà, parfait. Je n'ai plus qu'à atteindre la fin du niveau tranquillement. Voilà, parfait, on est bien. Allez, on est parti pour le niveau 4, la caverne des glaces. D'ailleurs, les musiques sont aussi bien reprises hein, des différents crashs. Ça aussi, c'est assez sympatoche. Ah oui, les niveaux avec l'ours, c'est complètement compliqué. Aïe. Alors là, il faut se dépêcher. Parce que pareil, Nounours, il peut nous rattraper si on avance trop lentement. Mais après, heureusement, l'ours pète les caisses pour vous. Donc ça, c'est assez bien. Ouais, heureusement, il pète aussi les vies. Hein. Ça, c'est cool. Par contre, il n'a pas pété la nitro, j'espère que ça ne vous portera pas préjudice. Ouais, par contre. Aïe, mais il m'a fait peur le Yeti là! Mais qu'il est con, je vais tirer sur la nitro! Ouais, avance un petit peu plus vite, s'il te plaît. J'arrive à le semer quand même un peu. Aïe. Voilà, parfait. Et oui, normalement il y a une caisse de 3 à la fin pour te détruire. Donc ça, je n'ai pas à m'en faire. Et évidemment, si je tombe dans les trous, ça le fait pas non plus. Et si je pète les nitros moi-même, ça le fait pas non plus, là. Ça fait beaucoup de non plus. Non, mais t'es sérieux? Je glisse. Allez, niveau bonus. Là, ici bien sûr ne pas péter la caisse interrupteur tout de suite parce que sinon bah je pourrais plus choper la caisse en dessous, ça serait débile. J'allais dire il m'en manque une, non hein. Mais non c'est bon.
Allez, c'est parti pour le niveau 5, l'univers gluant. Niveau dans les égouts, et on va directement faire le niveau bonus. Je t'ai demandé de sauter, mon cher Crash, ce serait bien si tu sautes. Quoi, t'es sérieux là? Tu peux pas aller sur les deux là? Oh là là. Après, le problème c'est qu'il a qu'un petit saut, alors c'est chiant. Et je viens de faire la grosse andouille. Parce que là, j'ai cru que c'était une caisse fléchée, mais c'était pas une caisse fléchée. C'était une caisse interrupteur, je suis débile. Après, ces jeux-là, je vais vous dire, je les connais moins. Il a pas sauté encore, c'est dingue. Ces jeux-là, je les connais moins parce que je les avais pas à l'époque sur Game Boy Advance, hein, ces jeux-là. Donc, c'est des jeux que je connais moins que les 3 Crash originaux, hein, notamment. C'est vrai qu'il y a aussi le plat, je vous ai pas montré, c'est vrai. Pourquoi il a pas été au bout? Oh, je vais pas passer 10 ans sur un bonus, t'as pas arrêté des conneries quand même là. Mais d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'active l'interrupteur à côté, puisque ça ne sert à rien en fait. Et ben voilà, c'était pas si compliqué que ça. J'aurais dû sauter sur l'ennemi là. Non. Quoi, attends, je dois sauter sur lui là? Oui, j'aurais dû. mais je me suis raté encore. Oh là là là. Mais non, ça passe pas. Mais enfin. Et ben voilà, putain, c'était pas si compliqué que ça. Nom de Dieu. Des fois, je trouille un peu, hein, je vous le dis. Je trouille un peu de me foirer. Et là, je fais comment? Tu m'expliques? Faut que j'attende que tout soit pété, c'est ça?
Quoique maintenant je peux y aller, hein. Voilà. Pour moi ça fait toujours une vie de plus. C'est la concentration. La concentration du dragon. Si je parle pas beaucoup, c'est normal. Ouais, je suis comment là? Comme ça? Ouais, comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, c'est bon, parfait. Petit cristal, il est là. Et ma gemme, elle m'attend au bout. Impeccable. Et maintenant, bon, on est parti pour le boss. Dingodil. Alors Dingodil, le voici. Donc pour l'instant on peut pas le toucher puisque vous voyez il a un bouclier sur lui. Donc faut attendre qu'il y a une statique qui tombe sur lui. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir l'attaquer. Sauf si jamais je me vois comme un idiot. Quand tu veux, Dingodil, hein. Moi je t'attends. Hein. Bon, c'est un boss vraiment qui est long, hein, parce qu'on peut pas l'attaquer malheureusement. Hein. On va devoir attendre et patienter. Allez, encore un coup, puis ce sera bon. Donc là, pareil, faut attendre. Faut attendre qu'il refasse son petit tour. J'ai failli faire le con, hein. Là, j'ai failli attendre sous la mine comme un idiot. Et on est bon, parfait. Et on récupère ici le super écrasement, qui est le super plat hein, dans le jeu Crash 3. Maudit marsupial, tu as eu de la chance cette fois. Mais mes hommes de main ne se laisseront plus perdre si facilement. Voilà, et là, ça sera parti pour le deuxième tour avec en boss de ce monde Engine. Mais ça, on le fera évidemment la prochaine fois, car là, on va s'arrêter là. Je sais que là, les vidéos seront un peu plus courtes puisque là bon, c'est vrai qu'on est qu'à 25 minutes, c'est pas énorme pour un début de let's play, mais bon, c'est un jeu de Game Boy Advance, hein, les jeux sont plutôt courts dans cette période là, donc c'est un petit peu normal que je fais des vidéos un petit peu moins longues, et puis ça me fait du bien aussi de faire des vidéos un petit peu moins longues, ça me fait aussi du bien. Allez, on va pouvoir s'arrêter ici. Donc c'était top donc pour cette première partie sur let's play de Crash Bandicoot XS. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, eh bien, on continuera nos niveaux avec les niveaux 6 à 10. Et en attendant, moi je vous dis... À la prochaine tout le monde !